Parce que par contre, à la mire d'acier pour tirer, c'est pas toujours évident, hein. Voilà, ici en bas c'est fini. Je voulais essayer ces machines à faire les mix là, mais hein, comme elles sont près de la fenêtre, je me dis si jamais la balle elle passe. Attention, il y a garde qui avait, je crois. Je l'ai tué. Mais il est au milieu du caillon. Je te mets des sacs. Ça, je le prends. Attention, Frat, il y a quelqu'un qui arrive. Je vais t'amener des sacs en même temps. Je vais la buter. Voilà. Ah, attends, je jette celui-là. Oh, mais c'est pour ça que je l'ai fait, je savais que t'allais le faire. Je te connais maintenant. Tiens, je te remets des trucs. Tiens, C'est quoi, on le bute comme ça on est tranquille? Il nous... C'est bien, je le bute alors. Voilà. Comme ça on a eu les deux qui sont en haut. Normalement il y en a un qui va peut-être remonter, mais bon. Ah, j'ai pas de sac moi. Putain. Oh, c'est con, je pensais que j'en avais repris. J'en avais pas repris. La boîte ici est vide, mais il y en a encore de l'autre côté normalement. Oups là, attends, parce que là il y a un civil. Attention, hein, un civil. T'as encore des sacs? C'est en face, ok, ça va, nickel. Exploser la bagnole. On n'a pas encore ce qu'il faut. Oh putain, il y a quelqu'un qui a pété une vitre là. Leader, fais gaffe. Hein. S'il y a un garde qui passe, il la voit. Allez, filez. Allez, pas casser, mais allez, filez. Filez, le garde, il la voit. Donc si un garde monte, faut le tuer. Faut le tuer avant qu'il la voie. Les civils ne le verront pas, mais... Attends, je mets l'argent ici. Pourquoi qu'on se fasse repérer. Non, les civils ne le voient pas, mais un garde, il la voit. Ça, je suis certain, ça. Parce que quand je fais ma gazette diamant sans contrôler les cams, si je fais une vitre, les civils ne le voient pas, mais si un garde y passe, il donne automatiquement l'alerte. Il la voit, il se met en alerte et c'est fait quoi. Donc si un garde arrive tout près, faut le tuer avant qu'il la voie quoi.
Ça, je suis sûr à 100%. Parce que. Tiens, on n'a pas encore tout. On a cassé la même chose que tantôt, pourtant, non? Voilà, on a cassé tout ce qu'il fallait au niveau de la voiture. Et on a fait toutes les enseignes, non? Ah, attends, ici. Il reste des enseignes? Attends, ah, il y a encore la caisse enregistrée ici, voilà, c'est fait. Les enseignes, bon, on les a dégommées toutes. Non? Ah oui, il y en a encore là-bas. Jamais vu. Tantôt, je ne les ai pas faites, tous ceux-là. Voilà. Bon, bah, attends, il y a encore une caisse enregistreuse ici. Voilà. Ah, ben voilà. Je me disais bien, tantôt, on n'avait pas fait plus que maintenant, quoi. Ouais, par contre, les sacs ici, je les laisserai pas là, moi. Et je resterai pas ici non plus. Je pense qu'ils sont même mieux à côté de la voiture. Sur le flanc gauche de la voiture. Je pense pas qu'ils les verront. Mais au pire, on les ramène près de frette. Là, je suis certain qu'ils les voient pas. Je sais pas. Ben, quand tu te caches là, ils ne te voient pas, mais c'est vrai que il y a des fois ils ne te voient pas toi, mais ils vont voir un sac, quoi. Bon, j'espère que ce coffre-ci y a de l'argent parce que je l'ai ouvert 3 fois ou 4 fois. Non, le corps vite. Prends quand même le sac Spike. On va pas le laisser là. Ce serait trop con de se faire griller maintenant. Par contre, leader, oublie pas, hein, s'il y a un flic qui vient à hauteur de la vitre, fêlé, tu le tues. Hein. On a encore droit à 2 pas de jeu, donc prends ta petit sac d'argent. Attends, je vais t'en amener un, comme ça tu bouges pas, tu restes à ta position. Et puis j'irai rechercher l'autre. Je vais te le jeter dans le corridor, hein, qui ne le voit pas quand je le dépose. Voilà, hop. Ben voilà, on va pas crier victoire trop vite, mais bon. Là, franchement, on est bien. Hein. Et on aura quand même mis moins de temps pour faire celle-ci que pour faire Hoxton la première fois en détruit. Salut Jojo. Oh, moi je veux bien. Mais c'est chaud à faire aussi, hein. Non, je sais pas comment vous faites. Ouais, c'est vrai que c'est chiant à mourir à faire aussi, tabou de la rasa. Mais en fait, moi, quand je l'ai faite, on courait chaque fois à l'opposé d'où les flics étaient, quoi, tu vois. Donc le premier jour, c'est vraiment pas trop difficile, mais il faut bouger tous en même temps.
elle est très bête. Et le deuxième jour, on ouvrait toutes les. On a ouvert tout partout. Et quand ils étaient en haut, on descendait en bas. Quand ils étaient en bas, ben voilà quoi. Mais il faut vraiment bouger. Parce que si t'en as à gauche, à droite, en haut, en bas, ben t'as des flics un peu partout. Tandis qu'on les entend dans un seul endroit. Mais ça reste très divisé quand même. Alors c'est vraiment une musique de centre commercial. Hein. Ouais, je connais bien Joss. Tu me diras qui je ne connais pas. Je ne sais plus qui c'est l'autre fois qui a dit ça à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui venait. Tu connais? Ouais. Tu connais? Ouais. Tu connais? Ouais. Tu connais tout le monde qui venait. Dis donc, mais tout cela, oui. C'est quand même fort, t'as un hélico qui vient ici au-dessus et il n'entend rien quoi. Ils voient pas. Enfin tu me diras, ils sont le cul à l'air avec toutes les fenêtres qu'on a cassées et ils remarquent quand même rien quoi. Bon, longez bien les magasins pour pas se faire griller. Hein. Hélicoptère publicitaire, ouais. Bon attends, ces deux-là, je les prends avec. Hop, hop, c'est un bonus ça. Attends, on foncera tous à 45. Allez, on y va. Allez, Marty. Nickel. Ça a été chaud quand même. Hein. Pas fâché de l'avoir fait celui-là. Ouais. Je le réessayerai quand même une fois tout seul avec les petites astuces là de Big Boss là, c'est vrai que c'est nettement plus facile. Hein. Parce que tout seul, ça doit être chaud aussi, hein, je crois. Ouais. Ça me tente.